Alors, go à l'avant, Minou? Yes. Après Moscou, New York et Tokyo, McLeod live à Laval, dans une mise en scène inédite et d'envergure. Peter McLeod nous livre son plus récent spectacle repoussant les limites de son humour abrasif. Non, mais c'est vrai! Hey, juste pour le fun de même, à soir, à Laval live, on s'invente un fantasme un peu fucké, OK? Un nain. Trouve ça drôle, ça? Là, c'est pas mon fantasme. Si on invente un de même, là. Pis on écrit sur un bledaine dans le cul, t'sais? Faites-vous un pas, madame. Je respecte le nain. Je mets un peu de beurre avant, hein? Explosif et politiquement incorrect. Hey, puis comme c'était passé, on a un juif qui est encore plus strict que le juif que je viens de vous parler précédemment, qui est le juif assidique. Puis là, je niaise pas. Il paraît qu'eux autres, ils baissent à travers d'un trou d'un drap. Mais là, on va régler ça, ce trou-là, là. Hein? Le premier juif qui a eu l'idée de faire ça, hein? Sa femme est allaite en griffe. McLeod nous lance au visage un cocktail de gags où les jeunes, les accommodements raisonnables, les technologies, les hommes métrosexuels et la femme idéale sont quelques-uns des sujets abordés. Dernièrement, je me suis remis à l'écriture, je travaille fort, puis je pense que j'étais en train de perdre mon titre de gars éveillé. Puis quand t'es éveillé, c'est parce que t'as couché avec Denise Bombardier, hein? L'humoriste aux 700 000 billets vendus en carrière nous fait encore la preuve qu'il peut être à la fois attachant et décapant. McLeod, live à Laval. DVD en vente maintenant.